On arrive gentiment à l'heure. Je termine d'installer le matos. Le matériel. Voilà. Là, ça devrait le faire. Alors. Petite nouveauté pour aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionne? Alors. Alors là. Ah ouais, bah c'est comme ça. Voilà, ici. Allez. Hop. Hop. Eh ben alors. Ah, t'imagines même pas. T'imagines même pas ce qui est en train de se passer. Alors, quelle heure est-il? Ah, c'est encore une minute pour arriver à régler les histoires de son. Et est-ce qu'il faut que je le relance? Ah non, voilà, ça arrive. Alors, on va essayer quelque chose aujourd'hui. Alors, ça finit. Ça finit. Oui. Oui. Quoi? On te voit? On te voit? Oh. Ah oui, comme ça, d'accord. J'ai compris. Voilà. Top. Bonjour, Fantomasque. Vous entendez bien? Vous entendez bien comme ça? Alors, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai un ancien PC que j'ai remis en route. Et donc, j'utilise juste la caméra. Ce qui fait que, selon comment c'est placé maintenant, voilà. Alors là, c'est bien. Ah, il faut que je m'efface, hein. Et un petit coup en arrière, voilà. Du moment qu'on a ça, mon idée, c'était qu'il y a un écran pour les jambes, pour les pieds. Voilà. Ah, il faut que je me mette, hein. Ici, vous avez la chaise. On va mettre de côté. Voilà, pour l'instant. Alors, c'est un espèce de réglage. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein. Et puis, depuis là, je peux arriver à voir maintenant le chat. Voilà, parfait. Alors, mon idée, c'est qu'il y a maintenant deux petites caméras. Il y en a une pour les pieds. Et un, il faut que je m'y fasse, hein. Et un pour les bras. Merci Annie. On n'arrête pas le progrès, hein. Ah, mais je pense que... Hello, salut le top, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, mais oui, mais oui, mais oui. Est-ce que tout le monde est là, tranquille? Parfait. Alors, avant de commencer directement par les pas, je vais faire là maintenant, j'ai préparé bien sûr un petit visuel que vous connaissez. Un petit visuel que vous connaissez. On va tranquillou, j'espère. Ah ouais, ça va tranquillou, nous aussi. Alors, je voulais commencer.
Et ben voilà. Alors, j'ai encore pas trouvé comment vous le faire avec le son, mais ça viendra. Alors justement, en attendant Jeanne, qui va sûrement arriver, si j'ai bien compris. Ce que vous avez vu, c'est un petit résumé des différentes phases. On l'a bien vu ensemble, les différentes phases. Elles ont... On fait le commencement avec le pied. Là, je vous propose de vous mettre debout et puis de vous mettre les pieds joints. Et on reste... Première chose qu'il faut faire, comme toujours, c'est légèrement plier les genoux. Voilà. Vous laissez pendre les bras. Vous êtes cool, tranquille. Vous respirez un petit peu. Pour commencer un petit peu. Je vais faire comme ceci pour les bras. Voilà. Donc on est bien comme ceci. Les genoux pliés. Et on va écarter. On va écarter les pieds de la largeur des épaules. Doucement, on pose la pointe du pied, on descend le pied et on remplit le pied droit qu'on vient de déplacer pour arriver justement au 50-50. Au niveau du poids, c'est comme une balance. 50-50. Ensuite, vous commencez à pousser avec les genoux pour sentir voilà. Je vais me mettre ici. Vous poussez avec les genoux pour justement commencer à sentir le poids du corps qui va remplir la plante des pieds. On peut accompagner ce mouvement avec les mains. C'est là que, lorsqu'on se concentre sur la respiration, les pensées parasites, les petites choses comme ça commencent à disparaître. On remplit les poumons. Et surtout, on fait les mouvements tranquilles. On a bien compris que le tai chi, c'est pas quelque chose qui va vite, c'est la lenteur et la rondeur des mouvements. Maintenant, on laisse bien pendre les bras de chaque côté du corps. On prend conscience qu'il y a un espace entre les bras. Chute de neige sur la caravane. On prend conscience qu'il y a toujours un espace entre le torse et les bras. Et comme on l'a vu maintenant, on va commencer à faire le mouvement qu'on connaît bien. C'est le mouvement du commencement. On pompe un peu sur les genoux. Et maintenant... Sur la montée, les bras suivent et les bras montent. Les poignets se tournent et redescendent. On le fait 3 fois. Une fois, 2 fois. Et 3 fois. Maintenant, vous connaissez la suite. La suite, c'est les 2 mains qui vont venir pointer vers le sol. On descend sur la jambe gauche et on tourne le bassin pour faire mettre le pied à angle droit. Le pied est là, les bras sont tendus, vous poussez avec la jambe gauche, vous remplissez la jambe droite et en descendant, les bras s'écartent. Voilà. Ensuite, la main gauche redescend le long de la cuisse, vous faites le pas. On avance le pied sur la montée. On pointe avec le pied, le gros orteil, talon, le plat du pied. Et ensuite, la main monte. Ah, on ne voit pas grand-chose. Je reviens ici. Pareil, donc, la main monte. La main gauche monte, comme ceci, et la main droite appuie. Ce qui fait donc pareil.
Je vais voir si on ferait pas mieux de monter un peu. Ah oui, aujourd'hui, c'est paramétrage des... jusqu'à ce que je trouve les bons réglages entre les mains, etc. Vous avez donc paré. Et après avoir paré, la main gauche reste en place et la main droite pend. La main droite, elle pend. Vous faites votre pas, vous oubliez toujours votre main droite, hein, qui pend. Vous la laissez bien sur la cuisse, comme on voit ici. Ensuite, les hanches à gauche. On sent que le pied tourne sur le gros orteil. Et là, vous prenez le pied et vous le placez dans le pas de l'arc. Et vous transférez le poids sur la jambe droite. Et lorsque vous, toujours sur la descente, vous avez donc le bras droit avec la main qui se tourne. Hop! Une fois que la main est tournée, vous avez tiré, pressé et repoussé. Alors, je vais faire une chose là. C'est là où on peut commencer, où ça peut devenir sympa. C'est que maintenant, je reprends ici. Comme d'habitude, je reprends ici. Oh, décidément. Voilà, donc c'était juste, c'était une répétition des des deux premiers pas. Je le répète en visuel. La première fois, vous tournez le pied, le talon, le pied droit sur le talon à 90 degrés. Un petit peu de mnémotechnique, cela fait beaucoup de bien. Vous avez donc ici le pas qu'on vient d'exécuter au départ, c'est-à-dire le commencement en face. Et comme on peut voir, vous allez avoir le pied droit qui va faire. C'est de ce côté qu'on le voit. Non, ouais, c'est de ce côté. Ici, là, vous voyez le pied qui va faire comme ceci. Donc, du coup, c'est le premier mouvement. Ensuite, vous avez bien compris, donc c'est répétition de ce qu'on vient de faire tout à l'heure, que le pied, ici, le pied qui est parti, vous le retrouvez, donc le pied droit. Et vous avez de l'autre côté l'avancée du pied gauche qui vient se mettre ici. Lorsque le pied gauche, ici, ici, là, le pied gauche, il est en place et qu'il a 100% du poids, du moment que le pied gauche est rempli, bah, c'est pour libérer le pied droit. Donc, le pied droit, on le voit ici, avance. On voit le sens de la flèche, ça fait comme ça. Donc, en fait, c'est le pied, il glisse vers vous et il avance. Et lorsque on se retrouve ici, vous êtes donc dans la position de paré. Lorsque vous avez fait le prochain pas, vous retrouvez les quatre forces. Voilà, c'était juste une petite, un petit récapitulatif, oui, Weed. Bon, on a fait tard hier soir avec Weed, hein. Voilà, on va passer ça. Donc, c'est clair que là, maintenant, on a compris que ces gestes-là, et on l'a vu hier, ces gestes-là ont des séquences qui sont différentes, mais qui viennent les unes derrière les autres. En fait, quand Weed va arriver, on fera les exercices assis qui seront plus faciles. Mais là, pour l'instant, tant que Weed n'est pas là, on va profiter de faire un petit peu les pas. Alors, pour moi, les pas, ça veut dire que on va
poser les pieds, on va apprendre à poser les pieds dans la bonne position et on va apprendre à transférer le poids d'un pied à l'autre. C'est le but des pas. Alors, je remets le... ici. Voilà. Là, je remets pour les pieds. À moins qu'on fasse le... à moins qu'on fasse l'inverse pour la prochaine fois. Voilà. On y est au niveau des pieds. Poum, poum. Ouais, on est bon. Donc, on repart depuis où on connaît avec le... avec les pieds. On descend sur la jambe gauche, on tourne le pied droit sur le talon, on remplit le pied droit, et en descendant sur le pied droit, vous tournez un petit peu les hanches, le talon se tourne, vous avancez le pied, vous pointez, et vous remplissez. Voilà. Ça, c'est le premier pas le plus important. Ensuite, là, vous avez donc, on se retrouve bien sûr dans la, dans le pas de l'arc. N'est-ce pas? C'est-à-dire un pied en face à midi et le pied droit qui est à 45 degrés, on va dire environ à midi 10. Midi 10, midi, pas plus que midi 15. Et maintenant, prendre le temps de transférer le poids depuis en haut On sent cette mobilité, on descend sur la jambe droite. Ce que je propose de faire, c'est de mettre les mains comme je le fais, tranquille, et on oublie les mains en ce moment. On oublie les mains, on oublie les bras, on oublie les épaules. Là, c'est la poussée sur les jambes qui est le plus important. Vous poussez avec la jambe droite et vous remplissez la jambe gauche en tournant le bassin. Faites attention toujours que le genou n'est pas plus loin que l'aplomb. On avait vu l'histoire de l'aplomb, hein, je ne vais pas vous le remontrer. Donc, maintenant, on travaille un petit peu la position. Vous avez vu le bas du dos. Le bas du dos doit être droit. Le bassin un petit peu en avant. Et quand on est dirigé vers face à soi, là, vous avez 50-50 sur les deux. Et vous êtes haut sur les jambes pour faire le 50-50. On prend enracinement dans cette position du pas de l'arc. On détend le bassin. Et maintenant, on va remplir la jambe gauche en tournant le bassin. Vous tournez le bassin, ça fait descendre sur la jambe gauche. Et là, vous remplissez la jambe gauche, torsion du genou. Attention à la jambe droite qui ne doit pas rentrer. Bien attention à la jambe droite comme ceci. Ensuite, le but du jeu, c'est de déplacer le poids du corps de la jambe gauche sur la jambe droite. Donc, vous poussez avec la jambe droite, vous tournez le bassin et vous remplissez la jambe droite. On contrôle le bassin bien en avant. On voit l'assise et on contrôle que le genou n'est pas parti à l'intérieur. Deuxième déplacement du poids du corps. On pousse avec la jambe droite, on tourne le bassin vers la gauche, on fait attention au genou et on remplit la jambe gauche. On contrôle qu'on est bien droit, le bas du dos bien droit, et on le fait trois fois. Une fois, tourner le bassin, descendre. Pousser, tourner le bassin, descendre. Pousser, tourner le bassin, descendre. Toujours attention aux genoux, pousser, tourner le bassin, descendre. Et on contrôle la position d'arrivée, le bassin tourné vers l'avant, le dos bien droit, et vous avez droit à la troisième qui est
Je vais le montrer ici, dans la sensation, à mettre plus haut, voilà. Dans la sensation, c'est comme si vous aviez un fil là, un petit fil, qui vous tire vers le haut et qui vous donne juste cette sensation d'être suspendu, comme ils disent les Chinois, par un fil de soie, un fil de pêcheur, quoi. Qui vous donne cette impression d'être droit. Si vous avez l'impression d'être tiré par le haut par un fil, ça vous donne la direction du mouvement, ainsi que la direction de la poussée. Donc on le refait encore une fois. Maintenant, on se concentre sur le fil de soie que nous avons sur la tête, ce qui nous oblige à avoir la partie du dos ici qui est droite. On pousse, tournez le bassin, descendez sur la jambe droite. On contrôle le bassin vers l'avant, le dos droit et le genou qui ne part pas à l'intérieur. On repousse, on tourne et on redescend. Maintenant, je vous propose de descendre complètement sur la jambe gauche. On va ramener la jambe droite et on revient dans la largeur des épaules. On pose le pied, on remplit la surface et on se divise le poids en deux côtés, 50-50. On met bien les épaules en bas avec la sensation que les doigts partent vers le sol, comme si on voulait toucher le sol, mais on sait bien qu'on n'y arrive pas, mais juste l'impulsion, la sensation. Et vous avez compris que depuis là, il suffit par exemple de faire juste comme ceci. Hop, les bras à la Usain Bolt, on descend sur la jambe droite et on a fait le départ. N'oubliez pas que quand on fait le départ, juste avant parer, la main gauche vient s'appuyer contre la cuisse gauche. Je vous propose de faire ce mouvement pour apprendre à parer. C'est-à-dire, vous poussez avec la jambe gauche et vous venez... on voit pas bien comme ça. L'idée, c'est de venir appuyer avec la main. Ah, comme ceci. C'est un mouvement à prendre pour accompagner la rotation du bassin. Ce mouvement va faire comme ceci. Et appuie. Et en appuyant, vous lâchez les deux genoux. On appuie. On appuie. C'est de nouveau l'histoire, mentalement, du ballon qui est plein d'air. Donc c'est pas un ballon plein, il est plein d'air. Et ce ballon, il est sur l'eau. Et vous appuyez gentiment sur le ballon. Voilà. Comme ça, on a cette sensation. On retrouve cette... Et l'erreur à ne pas faire, je mets ma main derrière pour l'oublier. Ça aussi, c'est un bon exercice d'oublier la main qui ne travaille pas. En fait, le mouvement à ne pas faire pour appuyer, c'est ça. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Le mouvement d'appuyer, il faut comprendre qu'au moment où vous descendez la main ici, là, la main, elle s'arrête. Et quand elle s'est arrêtée, c'est parce que c'est en pliant les genoux que vous descendez la main dans les derniers centimètres. Donc, je vous propose de reprendre. Nous arrivons donc, comme ça, après avoir saisi la queue de l'oiseau, et nous faisons donc parer. Cette main, imaginez-vous que quelqu'un vienne vers vous et puis vous lance une jambe en avant, comme ça. Parer veut dire, on évite la jambe, on pousse la jambe, et comme on a poussé la personne, on a poussé sa jambe, il est en déséquilibre, et pour être sûr qu'il ne va pas nous tomber dessus, la main ici vient en protection, simplement pour parer. Vous avez la position de parer? Alors,
Ouh là là! Hein, plus café club pour moi. Mais oui, Okizi. Bienvenue, Okizi. Mais oui. Bienvenue à Fantomasque. Bienvenue à tout le monde. Rebonjour le top. Jardin 60. Pas mal les deux vues. Merci, Jardin 60. J'essaye de faire un petit peu de... Voilà, bah, va falloir que je comprenne tout ça, mais... L'idée y est, c'est qu'on puisse voir les pieds et les mains en même temps. Alors, donc voilà, je regarde les derniers messages qui viennent d'arriver. Oui, donc tout le monde se dit bonjour, c'est super. Franchement, Vanema. Bien. Alors, j'en étais donc après. Ouais, un petit peu de théorie, ça fait du bien aussi. Après, donc ça c'est le commencement, on l'a tous bien compris. Et après le commencement, donc, vous avez la dernière position qu'on vient de voir qui est parée. Vous voyez la position parée? De ce côté-là, on voit qu'il a la main droite bien appuyée. Et on voit qu'avec le bras, il fait paré. D'ailleurs, c'est marqué en bas, paré. Très bien. Ah, ça semble super facile pour toi, Pimi. Ce n'est pas le même cas pour moi. Merci, merci, oui. Des fois, Jacqueline, elle me dit, tu vas un peu vite. Alors. Oui, oui, c'est pour ça qu'on ne va pas aller trop vite. Il faut juste répéter, d'abord, les deux premiers mouvements. Alors, on sait ce qu'on va refaire, donc. L'ouverture, le commencement. Donc, je vais même, donc, une fois que j'ai fini l'explication, on le refait. Le commencement, saisir la queue de l'oiseau. C'est le deuxième mouvement. Et au troisième mouvement, vous arrivez dans la position de paré. Je vous remets les pieds pour se mettre en position de départ. Donc là, on a les deux pieds dans la position du commencement et on sait que le mouvement suivant consiste à tourner le pied droite dans l'angle. C'est pour ça que quand vous commencez, il faut laisser 60-80 cm sur votre droite parce que le premier mouvement, vous allez partir à droite. Donc vous allez vous mettre plutôt collé à gauche contre l'armoire et puis vous allez avoir 80 cm devant vous pour faire le premier pas. Et pourquoi saisir la queue de l'oiseau ne fait pas partie des figures? C'est parce que c'est une position qu'on appelle, voilà, on est obligé de c'est une position intermédiaire entre deux figures. Donc, on va faire le commencement. On va monter une fois. En redescendant, on pousse le ballon au fond de la piscine. Et au moment de remonter, on pointe les mains vers le bas et on tourne le pied droit sur le talon à 45 degrés. Déjà, c'est vrai que déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Alors, attends, il faut que je me... là, c'est là... Voilà, moi ça me va très bien puisque j'ai la place de ce côté-là. Et puis là au niveau, ici, voilà, je tâche de régler. Très bien. Alors on va donc faire la première séquence qui s'appelle le commencement. C'est parti. On plie les genoux, les poignets se plient comme à la surface de l'eau, on descend. Les bras s'éloignent. Quand les bras sont suffisamment éloignés, on plie les coudes. On pousse avec les jambes, avec les genoux pour pousser le ballon au fond de la piscine. Voilà, ça c'est le premier mouvement que tout le monde connaît. Au deuxième mouvement, on descend. Et là, les mains, au lieu de remonter, elles partent sur le côté. Elles entraînent les épaules, qui entraînent le bassin, qui entraînent le pied. Le pied est tourné.
vous n'avez plus qu'à pousser avec la jambe gauche pour remplir le pied droit. Voilà. Et dès que le talon de la jambe gauche se détend, vous savez que vous allez faire vous allez pouvoir avancer le pied. Donc le pied là maintenant, il est libéré. Vous avez le poids sur votre jambe droite. Donc il suffit de pousser avec la jambe droite. Ça avance le pied. Vous pointez. Vous regardez bien que vous ayez le pied à 45 degrés par rapport à l'autre, ce qui fait donc un pas de l'arc. Et lorsque c'est fait, vous descendez sur le pied que vous venez de placer. Ça, c'est les pas. On le refait encore une fois. Oui, là, je vous sens motivé pour le refaire encore une fois. Alors. Maintenant, on va suivre les bras en même temps que les pieds. On fait le même pas. Vous avez donc le commencement. Vous descendez, les poignets se montent, les poignets se tournent et les mains avancent. Quand vous ramenez le tout, vous mettez le ballon au fond de la piscine. Et maintenant que vous êtes en haut, vous commencez la descente et les mains vous entraînent. Ça fait tourner le talon. Là, vous êtes à 90 degrés. Vous poussez la jambe gauche. Et là, c'est, comme j'aime bien le dire, c'est le Usain Bolt. Vous vous retrouvez donc les bras. On y arrive. Vous retrouvez donc les bras comme ça. Vous vous souvenez, je vous ai montré cette main au tout départ. C'est cette main-là qui va faire comme ça. Vous la reconnaissez, la main qui va faire comme ça? On l'a travaillé tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on dit, chaque mouvement prépare le suivant. On sait que cette main-là, elle va faire ça. Mais maintenant, il faut qu'on s'occupe de celle-là. Et comme celle-là, elle s'est fatiguée, il n'y a qu'une seule chose à faire lorsque vous transférez le poids, c'est de la descendre, vous la reposez, et vous venez la poser sur la cuisse. Là. Et à partir de ce moment-là, vous la collez bien contre la cuisse, vous tenez la cuisse pour oublier ce bras jusqu'à la fin du mouvement. Parce que maintenant, ça va descendre la main. Et lorsque vous commencez à appuyer, la main ici monte. Et vous avez fait le pas. Voilà. Ok. Alors, je vais vous proposer maintenant. Bien. Quelle heure est-il? 32. Ben c'est bien, il y a encore un petit quart d'heure. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous entendez la musique? Ah ouais, double caméra, musique. En fait, j'ai été rechercher mon vieux PC de secours. Puis je me suis dit, mais il y a une caméra. Ça devrait marcher. Et ça fonctionne. Alors après, on verra pour les cadrages. Hein. Ça, c'est qu'une question de timing, les cadrages. Voilà. Maintenant, on va jouer avec les bras. Il faut que certains mouvements soient acquis, que ça devienne un automatisme. Et je vous propose de commencer par le fameux ballon que l'on tient, avec la main qui tient, qui soutient, donc qui se fatigue, et la main dessus qui se repose, sachant que c'est toujours la main qui est dessous qui monte, parce qu'elle ne peut pas aller plus bas. Donc, oui, c'est ça.
Ah oui, jardin 60. Heureusement que je n'ai que deux jambes et deux bras, j'ai l'impression d'être tout emmêlé. Oui. Même moi, j'arrive à des fois oublier ma droite, ma gauche. Alors, on va essayer de pas faire gauche et droite sur ce coup-là. On va faire en haut et en bas. Il y a gauche-droite, puis il y a en haut et en bas. C'est pour ça que il y a toujours les quatre directions qui finissent par faire une espèce de sphère où on se repère dans notre sphère. Voilà, ça c'est pour la théorie plus tard. Donc, on revient ici. On prend une main. Moi, je vais prendre la main droite, itam, je l'ai dit. Ce qui compte, c'est que je mets la main en bas. Il vous faut mémoriser cette position. Cette position-là, pas vue comme ça, vue comme ça. Vous voyez qu'il y a un espace ici. Il est important cet espace. Il doit jamais comme ça, puis jamais comme ça. Donc, vous avez ici un espace qu'il faut conserver. C'est un espace vital pour pouvoir faire les mouvements. Voilà. Et bien sûr, identique des deux côtés. Mais vous ne pouvez pas le faire comme ça. Vous êtes obligé de baisser sans arrêt les épaules. Les épaules sont toujours dirigées par le bas. Il n'y a aucun exercice de tai chi où les épaules font comme ça. Jamais, aucun. Au contraire, quand il faut aller chercher vers le bas, il faut baisser l'épaule. Quand il faut aller chercher vers le bas, il faut baisser l'épaule. Quand on va aller vers le haut, c'est tout le bras qui monte. C'est la main, c'est pas l'épaule qui travaille. Elles doivent toujours rester en haut, même si vous montez. Bien, on me remet la main, je m'écarte, je suis désolé, la fatigue. Maintenant, l'autre main, si vous avez une dessous, elle va aller dessus. Voilà. Donc la main du dessus est celle qui se repose. Si elle se repose, c'est parce qu'il y a la courbure du poignet ici qui est importante. Arrivez à ce que tous les muscles du poignet soient détendus. Ça prend. Alors évidemment, ça fait un petit peu bizarre que si vous êtes assis à table et que vous faites je repose ma poignet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous reposez un poignet, c'est parce que l'autre, il est actif, là. Et l'autre poignet depuis dessous. Donc vous remarquez qu'on est obligé, si on veut garder l'espace dans les deux bras, on est obligé d'adopter une certaine position qui n'est pas forcément naturelle. Pour aider à cette position, il y a la bascule des hanches qui permet d'avoir cette sensation d'être comme assis sur le ballon. Alors évidemment, ça tire de partout, hein, le bas des dos, dans les muscles fessiers. Ah non! Dans ce cas-là, la main d'en bas va aller en haut. Je vous propose de. Maintenant, l'histoire, c'est les sensations. Si vous bougez les genoux, comme ça, je vais mettre un tout petit peu les genoux, c'est plus important que ma tête. Voilà. Si vous bougez les genoux, c'est là que vous apprenez à sentir justement cette sensation d'être bien droit et de pouvoir amortir cette rotation du bassin avec les genoux. Quand vous avez pris cette habitude-là, lorsque vous arrivez ici, eh bien, on va dire que la main d'en bas suit le mouvement. Et comme on est au tai chi, une main monte, l'autre descend. Voilà. Là, on est au max. Il suffit de faire revenir les deux bras. Et on est à l'opposé. La main d'en haut, qui était la main d'en bas, et la main d'en bas, qui était la main d'en haut. Donc là, maintenant, la main d'en bas, elle peut aller que de ce côté. Donc, on tourne le bassin à droite et la main d'en bas monte pendant que l'autre descend. Voilà, maintenant je vais le faire un petit moment, me concentrer.
Oh, pardon, je... Parce que je lis le chat, c'est pour ça. Ah oui, oui, je m'égare. Un peu de rondeur dans les mouvements. Pardon. Vous voulez voir comment Jacqueline est le tai chi? Il demande si tu fais tai chi. Ce mouvement-là aussi, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu hier. Un poignet tourne, l'autre aussi. Jardin 60, il a les bras qui sont mêlés. Bien. C'est bien pour ça que je fais pas. Les bras. On a les bras qui sont mêlés. Hein. Oh, la douleur. Après, on va chercher. Salut Fernand! Allez Fernand! Viens faire un petit peu de tai chi zen là, t'arrives quoi? C'est 42. Bonjour Fernand! T'as droit à 3 minutes de tai chi zen avec Mimi. Bravo, Akizi. Oui, des petits mouvements de bras pour terminer avec la séance. Hein, 44. Ah, tu fais ça bien, Cusy. Très aérien. Ouais, dis-toi, tu fais moins aérien. C'est plus vaporeux. Ah, bah.
de Bruce Lee. Des petits mouvements de bras, qu'il a dit Pimi. Ben ouais, c'est des petits mouvements de bras, c'est simple. Hop. Non, ma chère Jacqueline, tu regardes ta main, elle tourne, tu dis au revoir. Comme t'as pas des problèmes aux épaules, aux poignets, et puis que tu peux pas trop être moving au niveau des bras, non, les mouvements, c'est pas génial. Ouais, ouais. Mais j'ai peur donc. Chacun ses domaines. Moi, je me dis, mais ça fait 3-4 fois qu'on regarde ces mouvements. Mes potos, là, ils vont en avoir marre de répéter le même mouvement. Ça... Puis Jacqueline me dit, mais non, tant tu peux pas me montrer rien. C'est parti en vrille, ça va finir en disco. Alors, je dois vous avouer, ah ben oui, j'ai la petite confession de fin de... Je dois vous avouer que j'ai eu ma petite période, on va dire, musique Goa. Ouais, quand même, hein, ouais, on a tous fait nos expériences de notre vie. Et je dois avouer que danser du tai chi, enfin, faire du tai chi sur de la musique Goa, ça va aussi bien que de la musique zen. Ça fait longtemps que je ne fais plus parce que Jacqueline, elle n'aime pas la musique Goa, il faut le dire. Ouais, ouais, il faut le dire. Donc, c'est pas grave, mais peut-être qu'une fois, exceptionnellement, je montrerai que. Ça peut aussi aller en. Mais justement, je redescends un peu sur terre. Oui, oui, Jardin 60, nous-mêmes, et Pimi, tu fais ça depuis longtemps, c'est pas notre cas. Justement, c'est ce que Jacqueline me fait. Merci. Moi non plus, ça fait pas longtemps. Moi, je commence en même temps que vous, donc j'essaie de le remettre un peu sur terre de temps en temps. Bah, écoute, j'ai compris. On n'est pas des. C'est pas compatible la Goa et le café. Non, ben voilà, mais écoute, c'était il y a une dizaine d'années, hein, que j'ai fait mes Goa. Voilà, mais c'est pour dire que ça marche. Ben oui, effectivement, ça fait. Hein? Donc oui, moi j'ai commencé le tai chi en 2005. Donc ça fait maintenant 17 ans que j'en fais et j'en ai fait pendant 8 ans assidûment. Et puis après, pendant 4 ans, j'ai travaillé un peu tout seul avec mon prof. Et puis donc, depuis 2012, plus rien. Oh ben, j'ai été marié, j'ai eu des enfants, il a fallu plein de choses. Et puis ben, maintenant, ben, suite à mon accident où je dois faire des exercices, dès que mon physio, je lui ai dit, mais moi, je sais faire du tai chi, il m'a dit, ah ben, pour ce que vous avez, c'est bien tai chi. Puis voilà, puis depuis, je continue tout seul de mon côté. Et puis, écoutez, si vous avez... On a de la marge avant d'y arriver. Oui, c'est pour ça que des fois, Jacqueline me dit, ouais, mais reviens sur Terre, attends, fou. Et puis moi, j'ai tellement peur que mes connaissances, elles ne vous suffisent plus. Mais non, je crois qu'on est entre une bande de copains maintenant. On a compris qu'on est là juste pour se faire du bien. Donc, c'est tellement naturel alors que... Alors, c'est bien connaître certains mouvements, ça prend, ouais, un peu de temps. Exactement. C'est pour ça que tous les matins, tranquille, on se fait 45 minutes, on répète des petits mouvements qui sont bien, gauche, droite, en haut, en bas, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Merci Jardin, merci, ça me rassure, ouais, ça me rassure, parce que moi je peux aller jusqu'à fin stade débutant très 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 bien, mais après ça me donne l'idée de vous en parler comme ça. Bien sûr, moi je fais ça tranquille dans ma caravane, je partage mes exercices du matin avec vous. Il faut que ça s'arrête là, c'est-à-dire que si vous voulez, si j'ai pu vous intéresser au tai chi, que vous vous dites, ah ben tiens, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec un prof, eh bien, je vous encourage à contacter un professeur à côté de chez vous, et puis aller voir qu'est-ce que c'est que ces cours de tai chi. Je dis juste qu'il y a juste deux sortes de tai chi. Le tai chi yang, YANG, c'est celle que je pratique. C'est la forme douce avec les mouvements circulaires.
Et vous avez la forme zen. Oh, alors là, je ne sais pas. Pardon, chêne, C-H-E-N. Et la forme chêne, c'est quand, entre différents enchaînements, vous avez des mouvements de force comme ça, que moi, c'est plus mon cas de faire des mouvements comme ça en force. Par contre, dans la méthode, ouais, j'aime. Bah oui, ça fait 40 ans que je travaille pour atteindre la retraite, si possible, dans une santé pas trop mal. Et puis donc ça, j'entame mon 13e mois de retraite. Donc ouais, j'ai de la chance. Ouais, heureusement, je prends les choses du bon côté. Puis bon, c'est pour ça que je suis de voilà. Moi, je me sens un petit peu quand même privilégié, je dois vous dire, hein, dans cette situation. Donc voilà. Merci à vous d'être là, de me. Alors la différence avec le Qigong. Moi, je vais vous montrer ce que c'est que le Qigong. Je vais arrêter le stream qui soit pas trop grand pour que je vais le remettre sur YouTube. Et puis dans quelques minutes, je vous mets mon préféré sur le Qigong. C'est très bien expliqué et je l'ai déjà passé une première fois. Oui, Fantomas. Allez, je m'occupe de tout mettre sur YouTube et puis je passe quelque chose derrière. Allez, à tout à l'heure.